pas que. Ah oui. Et je vais commencer par un truc très simple, mais c'est vraiment un truc vraiment de base. C'est très 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 vieux, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Peut-être parce que c'est nul. Mais on va essayer une petite expérience. Alors je vais me retourner et on va le faire par exemple. On va le faire avec toi, Gérard. Tiens. Tu peux rester là. Enfin, tu peux t'avancer plus ou moins. Alors, on va faire une petite expérience. Alors, il faut que tu sois par contre très attentif à ce que je vais dire. Tu vas imaginer une carte. Mm-hmm. Une carte à jouer, n'importe quoi, 6 de trèfle, 6 de carreau. Est-ce que tu as envie, à part le joker, que c'est pas une carte qu'on peut, on va dire, travailler avec. Donc, tu vas d'abord imaginer une carte en ta tête, rouge ou noire. T'imagines, tu me dis rien, juste tu penses, d'accord? C'est bon? Juste y pense. Et ce que je vais te demander, alors tiens, tu vas laisser le jeu comme ça sur la table pour pas dire que je vois des cartes dessus-dessous. Et imagine, donc je vais me retourner, que tu penses par exemple à un 3, d'accord? Tu poseras comme ça sur la table, une par une, deux et trois cartes sur la table, ok? Mais par contre, quand tu les poses, je fais pas de bruit. Ne fais pas de bruit. Tu les poses vraiment une par une, sans faire de bruit, d'accord? Pas trop vite non plus, pas trop doucement, parce que moi je pourrais compter, ok? Donc pense à ta carte. C'est bon, tu l'as? Allez. Allez, je me retourne et tu poses autant de cartes sur la table une par une qui correspond à ta valeur de ta carte. Moi, je ne veux absolument pas regarder, c'est pour ça que je parle en même temps. D'accord. Au moins comme ça, je suis sûr de ne pas entendre. Bon, je vais pas parler pendant 50 milliards de temps. Non, mais je pose. Ou alors tu les poses très doucement, ok? Allez, je te laisse faire. C'est même pas le bruit. Et qu'est-ce que je fais? C'est bon, Gérard? T'as fini? Et qu'est-ce que je fais du paquet? Attends, de l'autre paquet. Attends, donc du coup, maintenant, donc, tu as deux paquets, forcément un gros et un petit. Oui. D'accord, maintenant, tu prends le gros en entier, tu poses sur tes cartes. Au moins, comme ça, si je me retourne, c'est impossible pour moi de compter la valeur. Exactement. Allez, okay. C'est bon? De visualiser l'épaisseur, etc. Donc, je me retourne pas, mais tu as recomplété le paquet par-dessus. Mmh. Maintenant, tu sais qu'en magie, on a une codification. Par exemple, nous, on sait que la valeur pique, c'est 1, cœur, c'est 2. Tu connais l'ordre cyclique des cartes, pique, cœur, trèfle, carreau. Hein? Donc, tu vas imaginer maintenant ta carte. Si c'est par exemple du pique, tu poseras une carte sur la table. Si c'est du cœur, 2 cartes. Si c'est du trèfle, 3 cartes. Et si c'est du carreau, 4 cartes. Ouais. Donc, tu te rappelles bien de ta valeur, ta carte, ton symbole. Ouais. Donc, tu poses une par une sur la table autant de cartes qui correspondent à ton symbole. Voilà, au moins c'est ça, en même temps tout le monde peut suivre. Donc là t'as pas le choix, une, deux, trois ou quatre cartes, hein, forcément. Oui. Et une fois que tu as fait ça, il te reste encore le gros du jeu, tu le prends et tu le poses sur le reste de tes cartes. Ok. Voilà. T'as égalisé, c'est bon? Oui. Donc ce qui fait que si je me retourne, c'est impossible pour moi de savoir la valeur que t'as pensée. Même si c'est un jeu préarrangé, à part que je compte le nombre de cartes. Mais... Et maintenant je vais essayer de rentrer dans ta tête et refaire exactement ce que t'as fait. Alors, pour ça, tu vas vraiment te concentrer mentalement sur ta carte. Ouais. Le nombre de cartes que tu as déplacées. Ouais. C'est bon? Tu l'as? Non, quoi, non, on va essayer quelque chose. Pense-y. J'en sors quelques-unes. Gérard, j'ai sorti 4 cartes qui sont susceptibles d'être les tiennes. Ouais. Et de toute façon, à ce qu'on ne puisse pas penser que je fais un choix équivoque, sur les 4 cartes qui sont là, tu vas en prendre une seule. Et c'est la carte que tu vas prendre, ça sera ta carte avec laquelle on va travailler. Tu la fais juste glisser, d'accord? Qu'on ne puisse pas dire si tu prends celle-là, on l'élimine. La carte à laquelle tu vas toucher, ça sera la carte à laquelle on va travailler. Ok? Ouais. Je te laisse faire. Les autres, on les éliminera. Tu ne regardes pas la carte. T'es plein de porc. Donc tu veux celle-ci, tu veux pas changer. Okay. Donc les autres, on les élimine. Je regarde parce que sur le coup je me rappelle plus. C'était une carte rouge. Ouais. Une carte à cœur. Ouais. C'est ça? Ouais. Une carte qui est pas loin du 6.
légèrement plus bas. Le 5, le 4 de cœur. C'est exact? C'est laquelle arcade t'as pensé? Tu te rends compte que sur les 4 cartes que j'ai sorties, je savais que t'avais pensé au 4 de cœur. Tu peux retourner? Quoi? Oui, ouais, alors oui. Alors, tu sais, c'est mental. C'est tout simplement, c'est que de l'imagination. Mais c'est tellement de l'imagination que j'étais tellement sûr que t'avais pensé le 4 de cœur. Que dans le jeu, dans tous les cas, toutes mes cartes étaient blanches. Bizarre. Oui, je sais. D'accord. Bon. Bizarre. Tiens. Ça calme, c'est pour ça que je voyais dans tes. Tiens, si tu veux examiner. Ça calme. Ça trouve le trou de balle. Passons à autre chose.